À peine rentré de ses vacances à Brégançon, Emmanuel Macron doit déjà faire face à une polémique assez improbable. Vacciné tout comme sa compagne contre le coronavirus, le président de la République et la première dame n'ont reçu qu'une seule dose de vaccin, étant donné qu'il avait été testé tous les deux positifs au Covid-19 en décembre 2020. Cependant, la date officielle de cette fameuse injection est aujourd'hui remise en cause par les révélations de Mediapart. Le site d'information dirigé par Edoui Plenel a indiqué que, selon les données enregistrées par l'assurance maladie, Emmanuel Macron n'aurait pas reçu sa dose de vaccin anti-Covid le 31 mai 2021, comme annoncé officiellement. Il aurait été en réalité vacciné le 13 juillet 2021, soit le lendemain de son allocution présidentielle au sujet de l'extension du pass sanitaire. Contacté par LCI, le palais de l'Élysée a rapidement démenti cette information en affirmant que le chef de l'État a bel et bien été vacciné le 31 mai 2021, tout comme Brigitte Macron. Pour sa part, l'entourage d'Emmanuel Macron a estimé qu'il s'agissait sans doute d'une erreur de saisie avec les dates pré-remplies dans les formulaires. Une autre source, qui est restée anonyme, souligne que la date de vaccination de la première dame enregistrée par l'assurance maladie correspond bien au 31 mai 2021. Emmanuel Macron, une erreur humaine à l'origine de l'imbroglio autour de la date de sa vaccination? C'est aussi simple que cela, l'erreur est humaine, a ajouté cette même source anonyme. J'ai attrapé le virus et j'ai encore des anticorps. Je me ferai vacciner au moment où ce sera opportun. Il paraît que c'est une période entre 3 et 6 mois et que plus on attend, mieux c'est si on a encore des anticorps, avait déclaré Emmanuel Macron au mois de mai 2021, avant de recevoir sa dose de vaccin contre le coronavirus, selon des propos rapportés par Ouest France. Le président de la République était alors en train d'inaugurer le grand vaccinodrome parisien installé au sein du parc des expositions de la Porte de Versailles.